18 personnes sont donc toujours portées disparues. Et cette question, les autorités ont-elles réagi suffisamment vite? Certains dégâts auraient-ils pu être évités? Tout a été mis en œuvre à temps, se justifie le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez. Il y a eu des mises à l'abri, des mises en sécurité. Le problème, ça a été cette météo absolument pourrie, ce vent très violent et des hélicoptères cloués au sol. On aurait pu mettre en sécurité des gens, ça a été impossible, on a dû progresser à pied. Il y a eu sur les réseaux sociaux des gens qui ont trouvé que les mesures prises dès jeudi soir, en anticipation par rapport à ce phénomène de météo, étaient des mesures stupides. Eh bien aujourd'hui, je le dis, non, il n'était pas stupide de fermer les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, l'université. Non, il n'était pas stupide de fermer les centres commerciaux. L'anticipation, elle a été là. Je fais tout, et nous avons tous fait, tout ensemble, pour pouvoir organiser les secours au mieux dans les conditions que le ciel, eh bien, nous a données. Voilà ce que je peux vous dire. Bernard Gonzalez, le préfet des Alpes-Maritimes.